et bienvenue pour ce nouvel épisode du Tour de France des régions, présenté par l'Alliance française de Malte Méditerranée. Aujourd'hui, notre région de départ est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son chef-lieu est Marseille et elle compte 6 départements. Laissez-nous vous présenter la région. Le Festival d'Avignon, fondé en 1947, est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville théâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de représentation avec spectacles, lectures, expositions, films et débats. Le festival réussit l'alliance originale d'un public populaire avec la création internationale et la ville devient alors un forum à ciel ouvert. Si l'écrivain et cinéaste Marcel Pagnol est une figure incontournable de la région, c'est un peintre que nous allons vous présenter aujourd'hui. Paul Cézanne est connu pour avoir peint sous différents angles la fameuse montagne de la Sainte-Victoire. Par l'utilisation de la géométrie dans ses portraits, natures mortes et paysages, il est considéré comme le père de l'art moderne. Son nom a été repris de nombreuses fois pour nommer des rues ou des sites, dans le but de lui rendre hommage. Si l'âme d'un cuisinier se cache en vous, la bouillabaisse est une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine provençale. Originaire de Marseille, dont elle est un emblème, elle se compose d'une soupe de poisson, de morceaux de poisson et de pommes de terre, accompagnée de croûtons de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, une sauce à base de pommes de terre, de tomates, de foie de lotte et d'huile d'olive. Florence, enseignante à l'Alliance française, est originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je peux vous donner un conseil un jour si vous allez dans le sud de la France, dans la région PACA. Ne ratez pas le Drabant à côté de Saint-Raphaël. Une jolie calanque, pleine de pierres rouges, c'est magnifique. Et pour vous rafraîchir, traversez tous les champs de l'Avent pour rejoindre les gorges du Verdon. Faites un petit coup de canonie. Et vous pourrez enfin profiter du summum de la Provence, le chant des cigales. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Tour de France des régions.